Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos likes et vos abonnements. J'apprécie beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose voir un thème. Les rumeurs autour de vous. Eh bien, qu'est-ce que les gens disent autour de vous? Eh bien, on va voir tout cela ensemble. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Mettez un like. Eh bien, on va voir qu'est-ce que les gens disent donc à propos de vous au travail. Les femmes. Qu'est-ce qu'ils disent donc à propos de vous? Donc les hommes, eh bien, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les discussions? Comment vous devez vous comporter donc vis-à-vis de cela? Et quel sera le résultat? Donc très intéressant. Eh bien, nous commençons au travail. Eh bien, qu'est-ce que les gens disent au travail? Vous savez, donc là ici, j'ai déjà l'énergie d'une femme, ou ça peut être aussi un monsieur qui est un petit peu doux, pour qui donc les sentiments, les émotions sont très importants. Eh bien, vous savez, donc les gens parlent de votre réussite au travail. Je pense que vous avez eu des projets que vous avez commencé il n'y a pas longtemps, donc dans votre travail, quelque chose qui pouvait vous apporter donc un bénéfice, peut-être une grande prime, un résultat même matériel. Donc, dans votre vie, vraiment un très bon résultat. Et donc, justement, je vois quand même que vous avez eu peut-être il n'y a pas longtemps de bonnes nouvelles par rapport à cela. Et vous savez, vous êtes quelqu'un très fort. Eh bien, je trouve que vous avez peut-être de grandes compétences. Donc, dans votre travail, vraiment, j'ai la carte de force. J'adore cette carte parce que vous savez, ça montre, c'est pas tout simplement la force physique, mais c'est vraiment votre charisme, votre charme. Donc, vous savez, l'intérieur, votre âme, l'intérieur de votre caractère, voilà, c'est peut-être plus important, c'est un petit peu caché, mais c'est plus important, peut-être voir cela. Eh bien, je pense que donc les gens justement, ils parlent plutôt donc par rapport pour votre personnalité au travail. Donc ils parlent de résultats que vous avez, le succès, mais c'est plutôt positif, ce que je peux vous dire. Ils parlent aussi que d'autres projets que vous pouvez avoir dans le futur. Donc voilà que vous n'allez pas arrêter donc à cela, à ce succès que vous avez à ce moment-là, que vous voulez tout à fait développer votre vie professionnelle. Eh bien, il y a quand même le futur qui vous attend. Eh bien, les femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez, ça c'est incroyable. Vous savez peut-être, il parle de vous. Donc là, j'ai l'énergie d'un monsieur qui est un petit peu philosophique, qui pose beaucoup de questions donc par rapport à sa vie. Vous pouvez être seul. Peut-être il n'y a pas d'une femme donc qui occupe une place importante donc dans votre vie. Et vous savez donc les femmes, elles parlent de cela. Donc qui vous pouvez avoir dans votre vie, quel est votre destin. Donc voilà. Et vous savez, il y a aussi donc certains projets donc par rapport à vous. Vous savez, il y a peut-être la formation cachée que vous ne connaissez pas. Donc peut-être il y a une personne qui pense à vous. Donc c'est tout à fait possible parce que je vois quand même qu'il y a des projets. Donc comment faire éventuellement communiquer avec vous, s'approcher à vous. Donc vraiment un accent sur une discussion que la personne souhaite avoir avec vous. Peut-être une grande décision aussi et vraiment le développement, le futur donc de peut-être dans votre vie. Donc c'est très intéressant, je pense, mais les femmes, ils vous voient plutôt quelqu'un solitaire, je dois vous dire. Et vous êtes quelqu'un aussi très intelligent, donc vous posez beaucoup de questions par rapport à votre vie, mais peut-être en ce moment justement vous êtes seul. Et bien les femmes, elles remarquent cela, et bien certaines même aimeraient bien avoir votre attention. Donc, ce que je peux vous dire, eh bien, les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, à ce moment, eh bien, vous savez, tout simplement, les hommes, ils parlent un petit peu de travail, ce que je peux vous dire. Vous savez, peut-être, et si au travail, vous avez eu beaucoup de projets difficiles, eh bien, ça se termine. Il y a les nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Donc, voilà, peut-être, vous êtes aussi en attente pour réaliser les nouveaux projets donc, dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire. Et tout simplement, les hommes, vous discutez par rapport à votre travail, les résultats, tout simplement, et donc les perspectives de vous.
évolution que vous pouvez avoir dans le futur. Mais vous devez être un petit peu patient parce que je peux vous dire que ça va venir prochainement. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Il y aura bien le résultat, des perspectives qui s'ouvrent à vous et vous devez vous montrer vraiment quelqu'un actif, montrer votre désir que vous voulez évoluer. Donc, dans le futur, il y a des perspectives qui vous attendent. Eh bien, je vois plutôt que c'est positif, hein, en ce moment, donc, les discussions qu'il y a autour de vous. Eh bien, comment vous devez vous comporter? Eh bien, vous savez, je dois vous dire que vous sortez comme un gagnant. Même si c'est un petit peu difficile, vous devez vous battre. Vous savez, peut-être, même s'il y a eu, il n'y a pas longtemps, les petits conflits, eh bien, c'est tout à fait possible. Mais vous sortez comme un gagnant après, peut-être, des difficultés, peut-être la concurrence que vous, peut-être, vous avez eue. Eh bien, vous avez aussi des changements qui peuvent se produire prochainement, donc dans votre vie. Mais vous devez compter aussi à la situation stable que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et vraiment, analysez votre situation professionnelle. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Posez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous souhaitez justement avoir dans le futur et quelles sont les perspectives? Mais je vois quand même que donc vous pouvez avoir des grands changements qui vous attendent. Donc c'est tout à fait possible. Préparez vous à cela. Peut-être il y aura une concurrence par rapport aux perspectives qu'ils vont s'ouvrir. Et bien justement les hommes, ils parlent beaucoup de cela, de ces perspectives que vous pouvez avoir. Et bien vous devez vous battre pour cela. Analysez toute la situation. Voyez les situations au clair et montrer vraiment votre désir. Eh bien, quel sera le résultat? Ah, vous savez, il y aura un choix à faire. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait avoir donc la proposition dans le futur. Vous savez, j'ai un petit peu pour certaines personnes peut-être donc j'ai la carte de l'étranger. Est-ce que vous n'allez pas aller travailler à l'étranger ou peut-être avoir un projet international? Donc c'est tout à fait possible. Eh bien, il y aura le choix à faire. Et vous pouvez aussi perfectionner votre travail, vous montrer comme quelqu'un compétent et même améliorer vos compétences peut-être avec les nouvelles responsabilités qui vont arriver dans votre vie. C'est quelque chose d'important. Eh bien, il y a des bons sentiments aussi qui vous attendent. Vous savez, vous allez avoir des bons sentiments de même nostalgie. Donc, vous allez quand même, je pense qu'il y a quand même une bonne équipe qui vous entoure. Je n'ai pas vu de tricherie ou quelque chose de négatif. Il y a juste un peu de concurrence, mais c'est tout à fait normal. Eh bien, je pense qu'il y a quand même des perspectives qui vous attendent. Vous pouvez tout à fait donc réussir donc votre travail dans le futur. Donc voilà, ça peut vous apporter aussi le côté financier. Donc c'est possible. Il y a satisfaction donc dans votre vie, les bons sentiments. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Comptez sur votre caractère. Donc changez votre vie. Pensez au futur, n'oubliez pas que le destin vous appartient.